petit-déj brunch chez Audi, sur l'avenue Nizelissimastik. C'est pas mauvais, les prix sont pas trop chers, un petit peu cher. Disons que si on veut quelque chose de pas trop mauvaise qualité, ça reste cher. Mais si on veut quelque chose de bonne qualité, c'est très très cher. En général, quand même, la qualité et le service sont un petit peu en dessous. Mais c'est pas mal. Habituellement, ce sont des jeunes serveurs qui sont payés pas très cher. Ce qui est un peu désagréable ici, au Bélarus, c'est que dès que tu as à peine fini ta tasse ou ton assiette, il y a quelqu'un qui vient te l'enlever. Dès que tu as essuyé une fois avec ta serviette, quelqu'un vient te l'enlever. Apparemment, c'est la politesse chez eux. C'est un peu étrange, c'est un peu fatigant parce qu'on vient de demander trois fois dans ton repas si on peut t'enlever une serviette. Bon, voilà. En France, effectivement, on attend que tout le monde ait fini de manger pour débarrasser. C'est des cultures différentes, s'habituer. On n'y habitue pas trop à ça, mais bon, avec le temps, ça va le faire. C'était Sibushka. Paka. Aujourd'hui, sur l'avenue Nizelissimastik, il n'y a pas de bruit, puisque la rue a été refaite. C'est totalement désert. C'est très étrange. On se croirait dans une série de zombies. Voilà le restaurant Audi. Et juste en face, on a le cinéma. C'était Sibushka. Paka.